Pouf pouf YouTube, pouf pouf Fabien. Pouf pouf. On se retrouve pour un nouveau épisode, les gens, on est sur mon serveur live Kaliza Island pour nous rejoindre monsieurasper.com comme d'habitude en direct sur Twitch devant plus de 500 personnes. C'est beau, tu veux pas qu'on contrôle le random là? Je veux qu'on contrôle? Bah je sais pas, c'est louche. En pleine nuit, le gars qui est près de la route. Parce que c'est peut-être peut-être un gars qui est recherché justement, c'est ça que je voulais qu'on voit. Bonne soirée. Très bizarre. Ouais. Vas-y, mets-toi sur le côté là. On va faire un petit contrôle. Alpha, remonte. Monsieur, bonjour. Vous pouvez venir par ici, monsieur. Monsieur, c'est la police. Venez par ici. Venez par ici, monsieur, s'il vous plaît. C'est la police. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai perdu ma voiture plus loin, monsieur. On va procéder à un petit contrôle d'identité. Venez avec nous, monsieur, à côté de la voiture. Allez-y. Allez-y, monsieur. Suivez mon collègue. C'est louche, tu vois, les gars, comme ça, la nuit, sachant qu'on vient de sortir d'une grosse opération. On est SCU, les gars. Street Crime Unite, we own the night. Voilà. Donc, du coup, on fait les vilains. Donc, monsieur, qu'est-ce que vous faites par ici? Ah, monsieur, j'ai perdu ma voiture plus loin. Et c'est quoi votre voiture? Ce serait pas une R5? Une AMG noire. Ouais, ok. Je peux voir une carte d'identité, monsieur, s'il vous plaît? On va faire un petit contrôle, les gars, c'est louche. C'est Frédéric O'Connor, monsieur. Très bien, je vais regarder tout ça, monsieur. Je vais vous me noter, on va faire une petite palpation de sécurité. Allez-y, allez-y. Putain, le gars qui passe à fond de balle, là. Il m'énerve quand ils font ça, les mecs. Attends, je me suis légèrement trompé. Alors, tu vas le taser. Hein. Vérifier licence, ouais. Frédéric O'Connor, c'est bien ça. Permis de conduire, permis bateau, je vais le fouiller. Et votre voiture, elle est où, monsieur? Rien d'illégal sur lui. Monsieur, là, je regarde l'Interpol. Le vendeur de camion, mais il y a un collègue qui va peut-être venir me chercher. Est-ce qu'il est dans l'Interpol, le vilain? Pas du tout. Non. Ok, monsieur, on va vous laisser repartir. Par contre, vu que vous êtes piéton, c'est de l'autre côté des barrières de sécurité, monsieur. C'est un peu dangereux d'être sur la route à l'heure là. Ouais, voilà. Ouais, bon. Bah ouais, je sais, il y a des personnes, ça va vraiment pas conduire, monsieur. Exactement. Bon, pas de soucis, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Vas-y, on est reparti. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il marche au milieu de la route. Putain, il y en a encore un? Tu veux d'eau? Bon, vas-y, on va contrôler. Ouais. Monsieur, venez par ici, c'est la police. Venez par ici, monsieur. En rouge, là. Je crois pas, vous avez pas de carte d'identité. Par ici, monsieur, vous venez par ici. Vous vous approchez, venez à côté de la voiture, là. C'était pas une question, c'était un ordre. Venez par ici, monsieur. C'est la police, qu'est-ce que vous faites par ici, pleine nuit, à pied sur la route? Oui, attendez deux secondes, je coupe le son de mon application TeamSpeak, monsieur. Allez-y. T'as entendu le mec, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. C'est quoi ces thugs? C'est quoi ces civils, là, les gars, sérieusement? C'est quoi ce serveur, là, où les civils, ils veulent jamais se faire contrôler? Monsieur, c'est quoi votre identité? Vas-y, je te le laisse. C'est quoi ce serveur là? Les civils ils veulent jamais se faire contrôler et chaque fois ils font non, je vous crois pas, vous êtes pas de la police. Faites demi-tour, je vais. Il y a du bol que je vise mal. Pouf, super bacon, bienvenue à tous les gars. Bienvenue. Pas de passion, monsieur, faites gaffe. Ouais, mais si le mec il stream stall, qui sera ban père, donc vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un gourmand. Faites attention à la palpation. Permis de conduire, permis poids lourd. J'ai un Kalachnikov dans mon caleçon. On va finir en prison. Monsieur, vous voulez finir en prison ou pas? Tu sais que ça prend 3 secondes à le mettre en prison. C'est pas une vraie arme, monsieur. Ouais, non, parce que ça prend 5 minutes, monsieur. Hein. On est à côté du commissariat, là. On peut voir avec l'OPJ pour qu'il vous garde la nuit. Hein. Monsieur, comment voulez-vous que je cache une Kalachnikov dans... Vas-y, je te laisse contrôler, je fais juste un truc. Ça se verrait. Ouais, bon. Ouais. Bon, je viens de fouiller, il n'y a rien. Donc on va vous laisser repartir. Ouais, elle a été volée celle-là. C'est quoi la R8 qui repasse, je vais mettre une R sur la contrôle. C'est la voiture qui a été volée. Ouais, bah marchez de côté de la barrière de sécurité. Regarde, ça va être marrant. La R8 va repasser, tu peux être sûr, elle fait demi-tour. Et pourquoi vous avez une journée, monsieur? C'est... Monsieur, vous êtes de la police? Non. Allez-y, vous pouvez circuler et rester sur le trottoir, s'il vous plaît. Ah, comment vous me parlez, monsieur? C'est pas gentil. Hein. Allez, au revoir. De l'autre côté de la barrière. À mon avis, tu sais quoi, la R8, on va essayer de la contrôler. Je crois que c'est celle qui se fait voler. Ce Quentin Ball, c'est pas sa voiture. Il vient d'envoyer un message en disant que c'était fait voler, ses R8.
Je vais regarder, mais il me semble qu'elle disait qu'elle était bleue. Non, non, la R8, elle est dispo qu'en blanc. Ah ouais? On regarde ce qui arrive là. On m'a volé ma Lamborghini bleue. Ouais, mais il y a aussi une R8 qui s'est fait voler, je crois. Ça, là? Vas-y, on contrôle. Bonjour monsieur, contrôle de police. Bonjour. C'est la police. Bonjour monsieur. Bonjour. Balisé. Vous allez vous mettre derrière notre voiture, s'il vous plaît, sur le côté, là, sur le petit chemin. Avec votre voiture, monsieur, avec votre voiture. Votre voiture, monsieur. Il y a des gars, c'est vraiment des cinglés. No, no respect, non, pas de respect. Ouais, bah fais gaffe qu'il se barre pas. On a pas l'air bête sinon. Voilà, il va mettre son monstre ici. Vas-y, je te laisse faire un petit contrôle, c'est pas lui que je voulais faire. Genre mets la herse. C'est celui qui est de l'autre côté. Oh monsieur, je vais procéder à un contrôle par sécurité, je vais vous menoter. Vous menoter. Vous pouvez me dire où sont vos passagers d'identité. Et l'autre il laisse sa voiture au milieu de la route. Moi c'est l'autre que je veux. Non, il s'y revient. Il revient le Roucoule. Allez viens Roucoule. Très bien, est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous? Rien du tout. Ça va être magnifique. Attends, c'est bagnole de police ou pas? Celle. Contrôle de police. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Heureusement qu'il a de bons freins. Bonjour. Vous pouvez sortir du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez y aller. C'est la police, sortez de votre véhicule, monsieur, de suite. Repartez dans l'autre sens, par contre. Sortez du véhicule de suite, monsieur. Parfait. Bonjour. Ouais, ouais, bah quand je vous demande de sortir, vous sortez, monsieur. On n'est pas à l'hôtel, ici. Je prends la herse. Vous allez vous mettre à côté de la voiture, monsieur. Vous remontez dans votre voiture, vous vous mettez à côté de la Nissan GT-R, s'il vous plaît, on va faire un petit contrôle. Je peux savoir, un contrôle, vous êtes qui d'abord? C'est la police, monsieur. Il ne croche jamais. Attends, j'ai ma casquette ou pas? Non. Voilà, si. Regardez ma casquette, monsieur, c'est la police. Mettez-vous derrière la Nissan GT-R. Ça me fait toujours rire, la réaction. Tu sais quoi, je vais mettre un petit cône routier. Voilà, histoire de... Allez, go, on est parti pour le contrôle. Donc, on va faire un petit contrôle de police, monsieur. Pour savoir ce que vous faites par ici? Ouais. Bah, j'allais travailler, monsieur. Ouais, bah, comme nous. On a tous les deux des travails de nuit, c'est bien. C'est quoi votre nom-prénom, monsieur? Moi, je m'appelle Phil Rodratar. Oh, les gars, c'est vraiment les meilleurs. Tu sais que j'adore contrôler des mecs en civil. Hein. Il est recherché? Nice. Nice. Parfait, monsieur. Vous pouvez venir vers moi, s'il vous plaît? Parfait. Je vais faire un petit contrôle. Vous avez rien de dangereux ou d'illégal sur vous? Bon non, je crois pas, vous pouvez vérifier. Bon bah je vais contrôler. Fais gaffe au gars qui est passé. Vu que moi je suis en contrôle, toi t'es en protection, tu sais. Faut pas qu'il y ait un gars qui nous sorte un calibre et qui nous braque. La carte d'identité, elle est dans la poche arrière droite de mon sac. Ok monsieur, je regarde. Donc monsieur Silro Dratar, c'est ça? Et là, ouais, fouiller joueur, et là c'est bingo. Non? Ah non, il n'y a rien d'illégal sur lui. Il y a un problème, monsieur? Non, vous inquiétez pas, monsieur, on va faire ça vite. On est des professionnels. Pardon? Pardon? Il est là. Donc, fouillez joueur, il n'y a rien. Bonne journée, monsieur l'agent. Monsieur, c'est votre voiture, la C4? Oui. Bon, je vais vérifier la carte grise, il n'y a rien de dangereux ou d'illégal à l'intérieur. Est-ce qu'ils veulent mieux? Ah, allez-y, ne vous inquiétez pas. Fouillez véhicule. Rien d'illégal dans ce véhicule. Ah, dommage. C'est sa voiture. Ah, mais il est recherché dans Interpol. Oui, oui, il est recherché. Bah, ça, c'est tout. Tant pis pour lui. Bah, voilà. Nice. C'est gros d'art. Par contre, monsieur, je sais pas si vous le savez, mais on vient de passer votre nom, prénom au fichier. Vous êtes recherché pour possession de drogue. Ça vous dit quelque chose? Voilà, tu vois. Eh, le talent, les gars. Le talent. Et je l'avais ramené à la police. Il y avait 11 graines de pavot. Ok, attends. Je vais passer un message radio. Alors, je vais voir. Oscar de SCU, il dit qu'il l'a ramené, on va aller voir ça. Il y a rien sur lui, les gars. Mais je sais pas si... Bisous bacon, chouchou. Ça fait tellement longtemps. Oscar de SCU. Attends, y a plus rien. On est les deux en flic ou pas? Transmettre. Ah non, c'est bon. Ah. Ouais, on a un certain monsieur Dratar Silvio qui nous déclare qu'il est recherché pour possession de drogue sur Interpol, mais qu'il est venu rendre la drogue au commissariat, vous confirmez?
Ce serait incroyable qu'ils disent oui. Oui, ouais, de franchement, côté, là, je n'ai pas d'information. Ok, donc aucune preuve. On ne sait pas, il faut jouer avec mon collègue. Moi, oh, je commence à avoir mal le poignet là. T'as musclé les poignets, monsieur. Donc, d'après mon collègue qui était en Oscar tout à l'heure, il n'y a personne qui est venu déposer de la drogue. Ok, c'est reçu. Monsieur, je viens d'avoir mes collègues, malheureusement, personne pour confirmer vos dires, donc vous allez avoir une amende pour possession de drogue et vous serez retiré de Interpol. C'est reçu ? Ouais, c'est reçu. Alors, c'est combien la drogue ? Mais ils disent 100$, mais c'est pas les vrais prix. C'est combien le trafic ? 25 000 plus la moitié de la somme saisie. Bah du coup, on met que 25 000 vu qu'on n'a pas de, on n'a pas de possession. On n'a pas trouvé de drogue, mais il est recherché. Attente. Je trouve pas possession en fait. Okay. Une Hurricane bleue. Il sait pas ce que ça veut dire, attente le vilain. Bon monsieur, vous allez avoir une amende de 25 000$ pour possession de drogue via Interpol et vu que vous n'avez pas de drogue sur vous, vous n'aurez pas l'amende supplémentaire. C'est reçu. 25 000€. Ah bah ouais garçon, t'es capable d'avoir de drogue. Ouais bah allez-y. Voilà monsieur. Nice. Parfait monsieur, vous pouvez repartir, vous avez été enlevé d'Interpol, mais prochaine fois faites attention quand vous avez de la drogue sur vous. Hein. Pour info, la drogue, c'est illégal dans toutes les circonstances. Hein. Allez-y, vous pouvez repartir, monsieur. Vous pouvez prendre votre voiture et repartir. Bonne D'accord. nuit. D'accord. Bonne... Hey, bonne nuit. 25 000 boum. Voilà. Non, mais t'inquiète pas, ça tourne ici. SCU, et en plus, t'imagines, tu le chopes avec 20 000 de drogue, ouais. Ou 50 même. On le rentabilise, la GTR, là. On la rentabilise, la GTR. Plus destruction. Normalement, si tu trouves de la drogue dedans, c'est destruction. Monsieur, police, arrêtez-vous. Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Bonjour. C'est la police, mettez-vous sur le côté. Merci. Ouais, j'ai légèrement mis clic. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est la police, on va faire un petit contrôle. Moi, ouais, j'ai légèrement mis clic. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Vas-y, procède au petit contrôle. Ouais. Monsieur, on va procéder à un contrôle, je vais vous noter par sécurité, veuillez vous. Et sortez de la route, vous, on vous l'a déjà dit. Mettez-vous de l'autre côté. J'ai procédé à un contrôle d'identité par sécurité, je vais vous me noter. J'ai mis clic. La cartouche de je sais pas combien là, il a failli se la manger, le pauvre. Est-ce que vous pouvez me dire où sont vos papiers d'identité ? C'est vrai, ça fait 5Z1000, c'est vrai. On est vachement bien planqué ici en fait. Bien, monsieur Thomas Ripolinus, c'est ça ? Et les gens, enfin, c'est la première fois que je vois un contrôle de police ici, mais on est super bien, hein. Ouais, ça va aller très vite, vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous ? Ah non, pas du tout. Donc vous vous opposez pas, bien sûr, à ce que je passe une palpation de sécurité. Regardez, on va se mettre à un bon petit point de contrôle de beau gosse, là, les gars. Eh, regardez-moi ça. Voilà. Eh. Ok, il a rien sur lui. T'as vu comme on est bien là ? Légal dans le véhicule. Magnifique. Ouais, franchement, on est super bien placé en sécurité et tout. Et ouais, et y a personne qui avait pensé à ça. J'avais jamais vu de flic faire un contrôle ici. Non. En plus, on est super bien. C'est une longue ligne droite, donc c'est parfait. Tu mets une herse. Il peut pas passer à gauche ou à droite à cause des barrières de sécurité. Il est obligé de rentrer là et de se garer. Sinon, bah tant pis. Bon, monsieur, tout est en règle. Je vous laisse faire. GG la police. Si, je l'ai enlevé d'Interpol. Regardez. Il est plus là. Maintenant, c'est Ricky Lota. Recherché. C'est pas Ricky Lota ? Non, Thomas Ripolinus. Okay. Parfait. Ricky Lota est recherché. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Vol de véhicule. On est vachement bien ici, hein. Attends, c'est ouf. Franchement, tu veux que je te dise ? À la limite, on fait un barrage. Ouais, c'est ce qu'on fait là. En fait depuis tout à l'heure. Non, mais regarde, on met la voiture. Vas-y, là, ouais, la voiture, tu peux la rapprocher un petit peu. On met des. Tu vois, on va la mettre en mode départ. Et tu mets mais des ce qu'il faut, c'est les prendre par surprise, justement. Ah ouais ? IQ, hein. Voilà, GTR, je l'aurais laissé ressortir au cas où que ça s'arrête pas, comme ça on peut repartir direct, tu vois. Et justement, là il a l'impression. Ouais. Ah ouais, parfait. Comme ça, même si on laisse le matos ici, bah t'as quoi, t'as deux plots lumineux, deux lumières, c'est pas grave, tu vois. C'est ça, tu vas pas provoquer un accident. Ouais, et ce qui est bien, c'est on est éclairé, on est visible de loin. Hop, on place une petite herse vite fait, bien fait, puis on en parle plus. Regarde. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, ça a été mappé en face.
Donc du coup le mec il est obligé de passer sur Terre en fait, sinon il se prend les trucs et puis explosion. Bon, et prochaine voiture en contrôle. De quoi? Ah putain non, mais je voyais pas la R, c'est... j'avais cru, je croyais qu'elle était passée sous le sol en fait. Non non non, si si, elle est là. Parfait, on est bien les gars là. Adieu, on est bien. On est bien, on est bien. A plus Pex, chouchou. Mettre la casquette. Cache la Nissan. Non mais le but c'est pas d'être c'était caché, le but c'est d'être visible mais au dernier moment. Donc là c'est parfait. Parce que souvent il manque des plots, enfin les flics laissent des plots abandonnés, donc bah c'est le cas actuellement. Par contre, des flics en civil qui contrôlent comme ça, c'est pas souvent en fait. Et avec la Hearse, le gars il peut faire ce qu'il veut, et il va forcément s'arrêter, il va taper les glissières de sécurité. Bien, hop là, on a un client. On a deux. On n'a pas un qui a les feu. Ah si, putain, c'est le bug d'affichage. Attention, ça double. Police, messieurs, arrêtez-vous! Bonjour, c'est la police. Braque avec ton arme. Attention, sprinter. Sprinter s'est stoppé direct. Bonjour, messieurs, c'est la police. Nice. Bonjour. Sortez de votre véhicule, monsieur. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Parfait. Vous allez vous garer à côté de la Nissan GTR, s'il vous plaît. Allez-y, remontez dans votre voiture. Mettez-vous à côté de la Nissan GTR. Tous les deux. Bonjour. Dans la voiture. Le véhicule devant vous est arrêté. Vous voulez pas? C'est un contrôle de police, vous avez forcé le barrage là. Ah bah, on a ça va repartir. Sortez de votre voiture, monsieur, de suite. De suite, vous ressortez de la voiture. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? On voulait repartir? Ah, monsieur, est-ce que vous avez. Ah ouais, restez dans votre voiture, monsieur, vous restez dans votre voiture. Et vous coupez le moteur, je veux pas entendre le moteur. Restez dans votre voiture, je veux pas entendre le moteur. Voilà, laissez le moteur éteint, on termine ça. Attention, ça cartonne, ça cartonne. What? Ouh. Éteins ton moteur. Quelle est la voiture de mon arbre, s'il vous plaît? Voilà, vous restez comme ça, vous bougez plus. Bon, nous on termine ce truc, comme ça après on fait mon contrôle des deux speedy là qui veulent vite se barrer. De mon arbre, s'il vous plaît. Il est en train de réparer. Bah monsieur, la nature de votre arrêt, c'est une herse qui était sur la route. C'est ça la nature de votre arrêt, monsieur. Ouais, je vous dis de réparer, de se caler sur le côté. Vas-y. Donc là, on va essayer d'éviter un suraccident. Allez-y, monsieur, mettez-vous dans l'herbe là à gauche. Vas-y. Comme ça, on met tout le monde sur le côté, ce sera plus simple. L'autre, c'est magnifique. J'ai jamais pensé à ça. Tu restes dans ta voiture et t'éteins ton moteur. Et l'autre, il va m'écraser. Bon, là, je sais pas ce qu'il est en train de me faire avec son sprinter, mais il peut faire. What? Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, c'est le futur ici. Gunter, pouf pouf. 4, 15 mois de sub, Gunter. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Say goodbye. Merci, Gunter, pour ton resub. Bienvenue, 15 mois, mec, c'est ouf. C'est le futur. Monsieur, je vais procéder à un contrôle. Par sécurité, je vais devoir vous menotter. Vas-y. Donc mettez-vous dos à moi. On va faire le sprinter, après on fait mes deux loulous, vu qu'ils sont deux, ce sera plus simple. C'est tellement magique, la petite phrase. Vous coupez le moteur, je veux pas entendre le moteur tourner. Je vous ai pas oublié, messieurs, restez dans la voiture, on s'occupe de vous après. On fait un contrôle déjà, là. Restez dans votre voiture. Monsieur Moussa N'Golo, c'est ça? Il est recherché, non. Moustain. Ah non, c'était avant qu'il était recherché. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous? Vas-y, je suis à protection. Ah, c'est magnifique. C'est agréable sans bruit de moteur en plus. Pour ceux qui connaissent pas Arma 3, vas-y. Vous avez dit quoi? Quand il fait roulette de souris, il peut couper le moteur en fait. Ah, vous avez de la cocaïne sur vous. Ah, je les laisse repartir du coup, les jaunes, vu qu'on a une affaire. Ah, attendez, là vous en avez plus sur vous. Ah, s'il y a une affaire, on les laisse repartir. Oh putain, le mec est trop honnête. Alors attendez, je vais fouiller. Non mais là c'est plus d'honnêteté là, c'est de la débilité ultime. Et l'autre il est passé, il a monsieur, pas fait de bruit. Monsieur, je vais fouiller votre véhicule. Je crois qu'il avait coupé le moteur en passant, monsieur, c'était bizarre. Il y a de la drogue ou pas? S'il y a de la drogue, je laisse repartir les jaunes. Il y a rien en fait. Il a rien sur lui. Bah go alors, s'il est pas recherché en avant, puis on se fait mes deux loulous. Parce que mes deux loulous, ils vont partir direct, hein, tu peux être sûr. Hein.
Donc il va falloir faire gaffe à ça. La drogue est quelque chose d'illégal. Si on vous attrape avec, ça risque de faire très mal. Mais qui voulait pas vraiment s'arrêter. En vous souhaitant une bonne soirée. Remontez dans votre voiture, monsieur. Je vous ai pas demandé de sortir. Quoi? Dans la voiture, monsieur. On s'occupe de vous après et coupez le moteur du véhicule. Voilà, parfait. Voilà, comment garder la situation stable quand on est que deux? Eh ben les gars, ils attendent dans les bagnoles. C'est pas magnifique? C'est pas magnifique. Vincent Pouf Pouf, bienvenue à tous les gars. Non. Sub, welcome. Ouais, mettre une herse, mais non, parce que le doué, là, quand il va repartir, il va tout exploser encore. Ah, c'est bon. Ok, parfait, messieurs, vous pouvez sortir de votre voiture, on va procéder au contrôle. Oh là là. Allez-y, messieurs, vous pouvez sortir de votre véhicule. Oh le con. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, il est naze. Il est naze, il est naze. Tu t'approches. Ça part dans la forêt. Il y en a un qui est mort. Ça part dans la forêt. J'arrive. Vas-y. Les idiots. Ok, il y en a un qui est naze. L'autre, est-ce qu'il est toujours dans la bagnole? Il y en a un qui s'était caché, je crois. Ben, y a lui, il klaxonne là-bas, il y a peut-être quelqu'un dans le coin. Vas-y. Là, là. Main sur la tête. C'est bon, je l'ai là. Tout de suite. C'était vous dans la voiture, monsieur? Ah non, moi je suis en haut de là-bas. Monsieur, les mains sur la tête. C'est la police, les mains sur la tête. Allez-y, monsieur, vous pouvez circuler. C'est une affaire de police. Circulez, monsieur. C'est bon, tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai. Oh, allez. J'en étais sûr qu'ils allaient chercher à se barrer, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit qu'ils voulaient se barrer. Mais bon, pas de bol, ils sont tombés sur We on the night. Parfait. Parfait, bah écoute, on en a un. L'autre, bah tant pis pour lui. Je l'ai décalqué direct. Ah les gars, ici, attention hein. Balam, balam, balam hein. Faudra dire monsieur, merci au monsieur qui a klaxonné pour nous avertir. Ouais, 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 c'est vrai. Balance. Le mec il s'est fait trahir par l'autre. Hein. Bon, monsieur, c'est pas hyper malin ce que vous venez de faire, donc on va vous ramener à la voiture. Vas-y, t'as qu'à le ramener. Son pote il est mort. Ça. La voiture elle part en destruction. Ouais, bah t'inquiète pas avec ta R8, on s'occupe de toi après. Je vais peut-être fouiller la bagnole histoire d'être sûr. Oh là là, les idiots! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mickaël Platsec. Non, monsieur, j'arrive pas à courir en même temps et en même temps vous tenant les mains menottées. Hein, c'est pas possible de vous. Mickaël Platsec, faudrait regarder qui c'est qui est là. On va appeler. Oscar de SUE. Non, non. Ah, il fallait attendre. SCU, encore, merde. Je contrôle tranquillement et c'est vous qui avez. Vous avez voulu partir. Y a une Audi R8 qui tourne vers nous, une Audi une R8 blanche. Ah bah c'est dommage. Qui fait des allers-retours à voir si vous pouvez faire quelque chose. On est déjà sur une inter avec un refus d'obtempérer, pas besoin de renfort, mais il faudrait essayer d'arrêter la R8. Négatif, on est sur une inter aussi, un sprinter qui est en délit de fuite et non refus d'obtempérer, c'est de vitesse. Ok ok, c'est pas grave, on va faire autrement. Merci. Bon, on n'aura pas de renfort, donc on va faire article 22, démerde-toi comme tu peux. Bon bah sa bagnole, c'est pas de chance. Voilà, ça fera moins de bruit. Lui, il reste là. Attends, la police, elle est où? Oh putain, elle est fou! Attends, il y a un sprinter en fuite, là. Est-ce qu'il vient vers nous? Le sprinter revient sur vous. Vas-y, je place une herse. Arrêtez-vous de suite! Je place une herse. Ah merde! C'est reçu, je lui ai mis un chargeur dans les pneus. Dis-moi s'il revient, je place une herse. Vas-y. Le gars, il était légèrement surpris de me voir sur le côté, tu vois. Bon, je reviens. Du coup, le monsieur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ouais, que lui, il y est pour rien, c'est son frère qui a voulu s'enfuir d'un coup, comme ça. Et pourquoi il était pas près de la voiture, alors? Ah, pff. Je me posais la question, hein. Je lui ai dit de toute façon. Du coup, il est où? Tu l'as laissé repartir? Non, il est dans la voiture. Ouais, on va aller au commissariat. Celle qui passe sans arrêt? Attends, sors ton arme. Bonjour, contrôle de police. Sors ton arme. Ouais, c'est fait. Sortez du véhicule, monsieur, de suite. Monsieur, sortez du véhicule, de suite. Fais gaffe, ça va repartir direct, je pense. Hein.
il perd les pneus. C'est lui ou pas? Bonjour. C'est vous qui faites des allers-retours, monsieur, en nous klaxonnant? Le sprinter revient sur la route principale au-dessus de l'Union. Pardon? Mais je mets l'air. Il fait des allers-retours. J'ai dit, je viens juste d'acheter mon véhicule là, à l'instant. Ok, on va vérifier ça, monsieur. Reste à côté de la voiture, s'il vous plaît. Il repasse, il est où? Il revient sur vous. C'était lui? Merde, t'as merdé la Hirte? Comment t'as fait? Non, il arrive de là. Ouch! What? T'as ouais, vu le carton? J'avais capté que les deux sprinters ont tapé, on a vu. Vas-y, on va l'aider. Ok, monsieur, allez-y, vous pouvez repartir. What the fuck? Mec, tu peux enlever la Hirte? Oh là 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 là! Les deux sprinters qui se sont tapés! C'est violent sur la route principale. Vas-y, on va aller en renfort. L'autre il va rester dans la voiture, ça va lui faire les pattes. Il est menotté le mec au moins? Ouais. Vas-y. Mets-toi sur le côté, on va mettre un barrage. Oh! Comme par hasard, les deux sprinters ils se sont tapés, tu sais, c'est incroyable. Barrer complètement la route. Ouais. Oh, GG. Oh, vas-y. Oh, monsieur. Bah, l'autre, il m'a tué et il dit oh, monsieur, mais je suis un flic, idiot. Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a tué avec son plot. Mais il a cru que j'étais un civil. Mais non, c'est toi qui viens de me tuer. Hein? Monsieur, c'est la police. T'es au courant que je suis mort là ou tu t'en fous? Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh là là, je me suis fait tuer par l'autre andouille avec son plot, il a fallu qu'il me tue. Je vous jure, on n'est pas aidés les gars, on n'est pas aidés, moi je vous le dis. Ben, ouais, la soirée de ouf, ouais, bon, non mais c'est un truc de cinglé parce que c'est la deuxième fois qu'un véhicule qui est recherché tape un autre véhicule en fait. D'habitude, genre sur Altis, ça arrive quasiment jamais ça parce que la map est tellement grande que dès que tu t'éloignes de Kavala, bon, il y a plus grand monde. Là, vu que la map est petite, il y a sans arrêt des civils, des innocents qui passent par là. Et là, il a tué un innocent, en fait. Il y a un innocent qui s'est pris un sprinter sur la gueule. Voilà. Voilà. Ouais, il y a du recrutement dans la police, bien évidemment, ouais. Vous êtes 604, les gens. Bienvenue. Oh là là, le collègue, là, la mort débile, je vous jure. Mais vraiment. Eh, pour ceux qui se demandent, en fait, là, en police, il y a un menu qui permet de faire spawn des plots, des cônes lumineux, des lumières, des blocs de béton et tout ça. Donc, c'est ce que vous voyez là, en fait. C'est-à-dire, c'est un menu imaginaire, on va dire, qui nous give une dizaine, enfin, plutôt 5 ou 6 items, à peu près. Des items en rapport avec la circulation, les accidents de la route. Et du coup, quand on les pose, en fait, ils sont devant nous, on les met où on veut, on appuie sur espace, ils sont posés. Le souci, c'est que si tu tapes un véhicule lorsque tu es en train de le poser ou si tu touches quelqu'un, tu le tues direct. Parce que c'est un mod et on est sur Arma 3 et du coup, c'est un petit peu de bidouillage. Et là, il croyait que j'étais un civil, donc il m'a décalqué avec, quoi. Voilà, je suis sur mon serveur, pour ceux qui demandent. C'est mis là. Monsieurasuper.com. Voilà, tout ce que vous voyez là, c'était fait par le clan. Grosso modo, c'est ça. Ça, c'est 4X qui l'a fait. Les tenues, c'est Bibi qui les a ajoutées. Enfin, voilà, tout est fait par nous-mêmes. Bon, je respawn. Et on est reparti en espérant que cette fois-ci... Vas-y, je prends à Jackson. Je pense que t'es pas loin de Jackson. Ou Union. À Jackson ? Ouais, je prends Union. À Union. Ouais, il m'a dit d'aller à Union. Vas-y, je vais à Union pour que tu reviennes me chercher. Oh là là. Non, mais franchement, je suis désolé. Je pensais pas que ça te tuerait. Ah, c'est toi qui m'as tué en plus ! Bah ouais, en fait, j'étais en train de placer le plot. Et je pensais pas que ça allait tuer. Putain, j'ai délaté le commissariat. Non. Ah si. Oh putain. Tu sais que je râle sur les mecs qui font ça. Et je le fais. Ah, oh, fais chier, j'ai délaté le commissariat. On est sur Arma 3, les gars. Voilà, j'aurais dû couper l'épisode avant. Ah putain, fais chier. Alors, pourquoi? Bon, là, je suis un peu obligé de vous expliquer. J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Ce jour, à minuit 09,
En prenant mon service, j'ai malencontreusement supprimé le commissariat de Union. Je vous prie d'agréer mes sincères, respectueuses salutations. 6 juin, une photo de notre commissariat. Oh putain, le boulet, fait chier. Donc, forcément, le mec il est là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, commissariat. Le menu objet, en plus d'être surpuissant, donc de nous giver des items en police, hein, permet également de supprimer quasiment tout sur la map en fait. Tout ce qui a été mappé. Mais si on reboot, ça le remet. Bon, ça va, il y a un reboot dans une heure. En soi, bon, il y a moyen que je trouve une explication. Mais ouais, putain, les boules. Les boules, ouais, l'alcool, bien évidemment, l'alcool. Voilà, on en parle pas assez, mais dans la police, bon. Bon, on imagine qu'un commissariat, d'accord, on fait... Action! Monsieur l'agent. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il va se passer quoi pour moi, monsieur? Bah, je sais pas, vous voyez pas où on est, là? Vas-y, fais croire qu'il est toujours là. Monsieur, ça fait 10 minutes que je suis... Bah, monsieur, je vois du vide autour de moi, en fait. Non, monsieur, vous êtes dans un commissariat. Non, ouais, c'est un commissariat, monsieur, ici. Ah, mais monsieur, je vois... je vois pas de commissariat. Monsieur, c'est un commissariat, vous avez bu? Non, je vois pas, je vais être un petit peu... Vous voyez pas le mur qui est devant moi, là, monsieur? Ouais. Le mur en béton, là, vous le voyez pas? Hein? Ah non, non, mais je sais, c'est non, pas de l'alcool, c'est pas de l'alcool, c'est la drogue. Ouais, vous êtes drogué, monsieur. Je sais pas, mais là, je vois rien. Vous voyez pas le mur qui est devant moi, là, monsieur? Le mur en... Le mur, là. Vous le voyez pas? Non, je vois juste un... Je vois un gros smiley. C'est tout. Ah, il est bien. Il est bon, il est bon. Bon, allez, fin de cet épisode, autant vous dire que là, sans le commissariat, on perd un peu toute crédibilité. Bon, je pense qu'il a fait sa peine de prison dans la voiture. Ouais, on le... Ouais, ça fait un quart d'heure qu'il est dans la bagnole, à mon avis, il a fait sa peine de prison, je pense. Ouais, bonne perte pour du troll, en effet. Allez, on cesse là-dessus pour cet épisode. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, monsieurasuper.com, ce sera en description sur YouTube et sur Twitch également. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode sur mon serveur live. Bisous, chouchou, et rassurez-vous, le commissariat va revenir. Voilà, c'est promis, il reviendra. Monsieur.